Allez, salut tout le monde, on est de retour pour le chapitre 5 de Darkwing. Je suis tout seul à la maison, pas d'enfant à ne pas réveiller, pas de femme à déranger. Je vais donc pouvoir parler un petit peu plus fort. J'enlève toujours la musique, puisque vous savez que maintenant c'est Betio de Haiku Games pour le coup, parce que pour moi là c'est vraiment pas terrible. Ils ont mis des musiques non libres de droit, du coup ben voilà, on peut pas mettre de publicité et tout. De mon point de vue, c'est quand même un petit peu dommage. Donc, alors, on se retrouve avec Rachel, Burns et Xoki. Donc, ils sont en train d'essayer de se sortir de cette jungle. Donc, on va récupérer une branche pour commencer. Des indices aussi. Ouais, ok. On prend les fleurs. La gravure de serpent. Alors, il nous en manque une gravure de serpent. Regardez, elle est derrière cette pierre tout à gauche à côté de l'arbre. On va pouvoir la récupérer en utilisant le stick de bois, le bâton de bois, pardon. Donc, on a deux gravures de serpent maintenant. Ok. Alors, on va les placer bien sûr ici. C'est assez évident ce qu'il faut faire. D'accord. Alors, donc ici, que faut-il faire? Alors, il va falloir essayer de placer les boules sur les différentes couleurs qui vont avec. Donc, c'est-à-dire le vert sur le vert, le blanc sur le blanc, le bleu sur le bleu. Donc, l'ordre dans lequel il faut aller, c'est droite, 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 droite. Droite et droite, gauche, droite, droite, droite et droite, gauche, gauche, droite, left, gauche, droite et droite encore. Et voilà, ça marche. Donc, essayez de vous le repasser si vous n'y arrivez pas. Il faut le mémoriser, hein, bien sûr, ça ne se fait pas tout seul. Et donc, voilà. Alors, regardez, ça a ouvert l'entrée. On entre dans la... la cave. Donc, on va allumer le petit interrupteur qui est sur la gauche de l'entrée. Vous voyez, ici, là. Voilà, ils ont volé. Ils ont juste à côté de l'entrée, sur la gauche, le petit interrupteur. Interrupteur blanc, des pilleurs, ils ont volé tous les artefacts de la cité, toutes ces sources d'informations perdues à jamais. Tellement d'or, de quoi financer les expéditions. Ok, ok, d'accord. Alors, que faut-il faire? On va enlever l'or ici. Ok, manivelle de Witch. Ok. Ok, ça nous fait descendre le coffre. Enchilada, je ne sais pas pourquoi. On récupère une nouvelle fois la manivelle. On va enlever ici, regardez là où il y a l'espèce de statue tout au fond à droite, on va enlever... On va taper dessus pour enlever de l'or. On va aller voir la statue. Alors, elle montre plusieurs choses différentes. Ok, donc on va utiliser la carte pour voir les nombres qu'elle est en train de pointer. Donc regardez, les montagnes, c'est le 2. Le palmier, bien sûr, c'est le 5. Et ainsi de suite. Ok. Alors, donc ça va aller de 1 à 8. Donc voilà, encore une fois,
les poissons, les montagnes, le squelette, les escaliers, le palmier, l'ouragan ou le labyrinthe, le coquillage et l'araignée. Donc, vous allez devoir réutiliser ça. Donc retenez bien les numéros et tout. Retenez bien les numéros. Moi, je vais vous donner la solution ici. Donc, il faut utiliser la carte. Donc, ici. Ok, donc ici. Donc on clique au début sur le premier. Ici, le premier tout en bas à droite. Ensuite, à gauche, encore un petit peu. Voilà. Ensuite, c'est celui-ci. Voilà. Tout en haut à gauche. Celui qui est à droite, légèrement en haut. Le 5, le 5, c'est donc celui qui est à gauche, légèrement en bas. En haut à droite, le 6. Le 7, il est à l'opposé. Et le 8 est en haut à gauche, légèrement. Voilà, donc ça nous laisse entrer. Ok. On peut rentrer. Ah, là, c'est un puzzle avec les alligators. Donc, on va commencer par donner les enchiladas à cet alligator pour nous permettre de libérer cette chose. Quel symbole doit correspondre pour que cela fonctionne? Donc, ici, former un chemin à partir du diamant de départ jusqu'à la plateforme centrale. Donc, c'est une sorte de domino en fait, tiré pour déplacer les pierres, touche pour les faire tourner. Les pierres ne peuvent pas être sur les alligators. Des pierres adjacentes doivent avoir le même symbole pour continuer le chemin. Donc, c'est une sorte de domino, c'est ça. Donc, regardez un petit peu ce que ça donne. Allez. Et ça commence. Et de 1. Allez, on y va. Suis trompé. Ok, ensuite. Ok. Ok. C'est assez facile en fait. Ok, allez, maintenant on prend un autre. Allez, on prend la première et c'est parti.
Et le dernier. Allez. On a réussi. Allez, beaucoup trop d'alligators, je ne les aime pas. Allez, enlever cet arbre mort pour accéder au terrain de jeu. Ok. Utiliser la manette, la manivelle qu'on va placer ici, ça va nous permettre de dégager l'arbre. Le gros portail ne bougera pas. Alors, comment faire? On prend la clé que l'arbre a libérée et l'échelle. Alors là, on a un petit puzzle à reprendre, on part de l'outil pour entailler les arbres, d'accord. Ok, je ne connais pas le symbole sur la droite quand on tape, ce symbole triangulaire, c'est eh bien c'est imprononçable, mais c'est une unité de mesure de temps, c'est-à-dire équivaut à 2 secondes. Ok, donc ici on regarde sur la main, d'accord, on a deux symboles qui constituent, d'accord, 2 secondes ce symbole-là, ok. Donc on doit utiliser de l'écorce ou je ne sais quoi grâce à l'outil pour prendre le pour gratter les arbres ou je ne sais pas comment dire. Donc ensuite on doit prendre des fleurs, on doit les mettre dans une boîte et laisser pendant 2 secondes, je suppose, rajouter le soie, donc le sable peut-être. Et finir avec je ne sais pas quelque chose. D'accord. Donc les montagnes c'est 2, donc ça fera 2 fois 2, 4 secondes. Et les escaliers 4, donc 4 fois 2 secondes. Ok, donc on y tourne. Alors, on va déjà commencer. On met l'échelle pour aller voir ça et ensuite on verra ce qu'on fait avec la boule. D'accord. Ok, donc. Ça explique l'ordre des animaux et les couleurs. Donc, alors, sur la carte, on a maintenant les portes et les open. Ok. Donc, on prend là l'échelle. On revient. Donc, on revient, on va utiliser la clé dans ce cadenas. On récupère le disque et le bol, enfin le disque, le bouclier et le bol. On va utiliser maintenant l'échelle. Non, c'est pas ça. On va utiliser l'échelle pour aller récupérer
l'arceau du terrain de jeu qui nous manque. On récupère notre échelle. On retourne dehors. Ok, donc ça nous montre les symboles avec les couleurs. Blue, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc on utilise maintenant le bol en dessous de l'arbre, on utilise les choses pour entailler les arbres, on récupère le bol. Du caoutchouc, donc je pense, ou quelque chose comme ça, de la sève. Donc on retourne à l'intérieur. Maintenant, on met les fleurs et on close et on ferme. Et donc on fait 1, 2, 3 et 4 et on ouvre. On ajoute la sève ou le latex et on ferme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on a une boule. Ok. Ok. Non, on va dehors. Ok. Donc, souvenez-vous des couleurs. Bleu. Ouais. Un, le bleu. Deux et le rouge, donc c'est le dauphin. Bon, un, le jaguar. Deux, le dauphin. Trois, c'est l'oiseau. 4, c'est le serpent. Et 5, c'est le crocodile. Alligator. Donc, jaguar, dauphin, oiseau. Jaguar, dauphin, oiseau, serpent et alligator. On le met et on y va. Donc, attention, il va falloir mettre le bouclier avant parce que vous voyez, ça ne marchera pas très bien. Là, je crois que l'alligator. Alors, comment ça se passe? Il est cassé? Comment ça se passe? Je ne sais pas, il y a quelque chose. Le bouclier. Donc. Ok, alors maintenant, il va falloir shooter. C'est compliqué. Donc jaguar, dauphin, oiseau, serpent et alligator. Alors attention. Ok, on y va. Alors, jaguar en premier. Donc, on va aller jusqu'au côté droit. Et 2. Allez, maintenant le dauphin. Attention. Bim. Et bim. Et le 2. L'oiseau. Attention. Ça devrait aller. Oui, et ça marche. Il faut
le lancer sur le bouclier et pas le lancer dans dans la chose au bout, puisque en fait sinon ça ne rentre pas, il faut qu'il rebondisse sur le bouclier. On refait. Attention. Bim. Et là, ça va. Yes. Allez, on a fini. Eh ben, c'était pas facile, hein. Allez. On y va avec le chapitre 5, on vient de finir, c'est très bien. Allez, à très vite pour le chapitre 6. Ouh là là, ils sont tombés.